Hello les copains! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais préparer mon studio YouTube. Ça fait hyper longtemps que je tourne autour de ça. Création de contenu, YouTube, vidéo et tout, etc. Et je ne le fais pas alors que j'ai moi-même créé une marque qui s'appelle Oz. Anyway, today on va set up mon studio avec mes lumières, ma déco. Maintenant, on va voir comment on va lancer la machine et je vous emmène avec moi. Je viens me réveiller, bien évidemment. Vous aurez beaucoup de raw content of me. Parce que la vie ici, c'est pas un défilé de Yves Saint Laurent, c'est pas un défilé de Dior. Il n'y a pas de maquillage tous les jours dans une vidéo. La fille, elle est naturelle, naturelle. Donc, cet espace-là, ici, ça va être mon studio. Je vais vous montrer bien sûr ce que j'ai pris, des softbox de la marque Skytex. Je les ai testés tout à l'heure, ça avait l'air pas mal. J'ai aussi pris le Ring Light. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a le trépied pour le téléphone intégré dedans. Là, c'est le deuxième, donc la deuxième softbox que j'ai pris. Et les petits panneaux que vous voyez ici, ce sont des petits panneaux lumineux. Que j'ai pris, donc ils sont par trois pour pouvoir faire des petits effets sur mon mur. Il y a plusieurs coloris, des petits panneaux colorés. Le but vraiment, c'est de créer un espace où c'est my happy place. D'ailleurs, il y a un petit truc qui arrive normalement aujourd'hui. J'ai tellement hâte de le recevoir parce que je pense qu'il va vraiment apporter une petite touche sympathique au studio. L'inconvénient quand moi j'ai commencé à faire YouTube, c'est qu'il fallait tout le temps déplacer le truc, mettre ci par là. Là, je me suis dit, ça sera mon studio, il va pas bouger. C'est là où je vais travailler, c'est là où je vais éditer mes vidéos. C'est là où si j'ai un coup de tête, parce que moi ça m'arrive souvent d'avoir des coups de tête le soir, genre 22h, j'ai envie de filmer un make-up incroyable ou parler d'un sujet incroyable. Et il faut monter tout ça, il faut ranger, il faut... Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer. C'est trop cool, je l'ai eu sur Shein Home. C'est un rangement en fait pour ton make-up qui tourne comme ça. J'adore la couleur. Je vous ferai un haul de tout ce que j'ai acheté sur Shein. Parce qu'en vrai, dans ça, il y a 80% de Shein product. My plant. Wow! Les gars, j'ai quand même oublié de vous parler d'un truc que j'ai commandé aussi pour le studio. It's a microphone. Ah, moi, il y a une petite housse là. Oh mon dieu, la housse. J'espère que j'ai pas jeté la housse. J'ai hâte de le tester parce que ouais, je vous ai dit qu'il y a des petits projets en cours, donc on ne sait pas, on verra. Tout à l'heure, je vous parlais des petits jeux de lumière. Donc en fait, ce sont des petits, je sais pas comment on peut appeler ça. On va parler de petites feuilles de couleur que je mets en fait dans mes petites spots de couleur pour pouvoir changer la couleur, la température en fait de mes vidéos. Donc voilà, ça se présente comme cela. Donc j'ai un bac qui est réservé, donc là il y a mes caméras, mon appareil photo et tout, qui est réservé uniquement à tout ce que j'utilise donc pour ma chaîne. J'espère que vous me voyez. Donc ça va ici. Ça sera aussi l'endroit où je vais préparer mes vidéos et monter mes vidéos. Donc j'ai mis un petit panier Arts and Craft avec, comme vous le voyez, beaucoup de pencils. Donc voilà, j'ai reçu ça, j'ai trouvé ça trop cute. Ça vient en fait de la marque des softbox. Et en fait, ils m'ont donné deux gants. Si je veux enlever les ampoules et qu'elles sont chaudes, ben, ils m'ont donné des gants pour pouvoir retirer les ampoules en sécurité. On fait dans la sécurité ici, ok? J'ai trop hâte de tester Shiglam avec vous parce que... Enfin, j'ai déjà testé, mais j'ai hâte de vous montrer parce que je kiffe certains produits. Des fossiles de chez Ardell, j'adore Ardell. Palette Shein, Juvia's. Enfin, bon, voilà. Je vous montrerai tout ça prochainement. Ah, on a retrouvé la housse du micro. Voilà, donc j'ai tout mis là-bas. Donc je vais ranger un petit peu, enlever tout le bordel que vous avez vu tout à l'heure. Et ensuite, on va continuer le studio. On va quand même manger. Mon chéri m'a préparé un super beau repas.
tu vas vous montrer, attends. En fait, normalement, j'ai déjà hier soir, mais là, c'est du gratin de patates douces avec du parmesan, des légumes et tout. Et c'est le reste de saumon, ben, pour se partager en deux. Voilà, avec un petit vin, des petits avocats, tout mignon, mignon. La nana. On va manger. Les gars, j'allais clôturer la vidéo parce que je me suis dit, mon colis n'est pas encore arrivé. Et là, je reçois un mail. Et que vois-je? Il est là! Du coup, on va monter et je vais vous montrer mon colis que j'attendais pour, entre guillemets, finaliser le studio. J'ai trop hâte. Merci le père par voie tellement j'ai hâte. Wouhou! Les gars, voilà, finalement le produit que j'attendais, c'était mon néon. Je vais l'ouvrir avec vous, je vais vous montrer à quoi il ressemble. J'ai trop hâte. Ça y est, c'est bien emballé, donc j'espère qu'il n'y a pas de dégâts. Donc sur mon néon, il y a écrit My Happy Place. J'espère que vous voyez bien. Wow. De retour, j'ai pas pu vous attendre, j'ai pas pu vous montrer le branchage. Je l'ai branché, les gars, et je kiffe. Branchement. Pardon, merci. Voilà, je kiffe. Regardez. J'ai utilisé deux punaises parce qu'il y a des trous là, deux punaises jaunes pour l'installer. Et je kiffe le rendu. Ben, vous savez quoi? Pour la peine, je vais aller filmer un tuto make-up avec mon nouveau setup. Je vais vous montrer comment j'organise le setup avec les lumières. Comme ça, vous aurez un full studio setup. Ok? Donc là, je vais juste placer mes softbox. Je vais mettre une soft. C'est dur à dire hein, ce mot. Sur le côté, bim, lumière. Je vais mettre Marine Light, just in front. Et là, il y aura donc mon téléphone. Ma light sera... Bah, on peut déjà l'allumer. Voilà. Je la mets au max. Ce que j'aime bien avec Marine Light, ici, là, il y a un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un niveau à bulle. Un niveau à bulle, merci. Qui va me permettre de savoir si je suis droite ou pas. All done. Je vais placer la deuxième soft box sur ma droite. Pareil, comme je vous ai dit dans la vidéo, tout mon matériel lumière, je l'ai acheté sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vais tout mettre en barre d'infos. And the light's on! Ok, donc j'ai mis une sur ma droite. Et là, j'ai pas encore mes chaises, comme je vous ai dit. Donc, je suis assise. Je vais m'asseoir sur mon petit tabouret. Et voilà ce que ça donne. Dodo, est-ce que ça rend bien? On voit pas la place? Ah, mon caméraman me dit à l'instant, dans mon oreillette, qu'on ne voit pas le happy place. Là, on le voit. J'aurais quand même aimé qu'on le voit derrière moi. Je vais peut-être devoir le monter légèrement. Donc, on va faire ça ensemble. Do you see it? Yeah. Do you see it? Because I cannot see it. Mais mon caméraman me dit que c'est top. Là, je vais aller installer les petits panneaux. Comme ça, vous verrez ce que ça donne avec l'ajout des lumières derrière. J'espère que ça va faire un effet parce que franchement, sinon ça gâche tout l'idée de mon setup. Let's go. Je vais brancher la première, c'est celle-ci, avec un reflet violet. Trop mignon. Je pense qu'on est bon. La caméra m'a pris une pause. Donc, j'espère que ça va bien. De ce que je vois déjà, je suis super contente. Mon studio, bon après, j'aurais aimé rajouter des petits trucs, des petites décos et tout, etc. Je vous ai même pas dit, j'ai défait mes notes aujourd'hui. Et là, je m'apprêtais à tourner une vidéo, j'étais pas trop motivée.
Mais le simple fait de voir le studio, entre guillemets, prendre forme, je suis super contente. En fait, j'appelle ça un studio, mais vous avez juste vu que bon, c'est pas fermé, c'est un truc ouvert, mais c'est mon studio à moi. C'est my happy place. Je kiffe ce néon. Je suis trop contente. Et là, ça me motive parce que tout est bien rangé. Je sais où tout se trouve. Je sais que quand j'ai terminé, j'ai juste à laver mes pinceaux et re-ranger à leur place. Donc là, ça me donne encore plus envie de faire YouTube et de la création de contenu. Je m'apprête à aller faire un petit make-up pour Instagram, TikTok et Short. Je vais vous quitter pour cette journée de vlog. Dans tous les cas, je suis trop contente que vous ayez regardé ma vidéo. Je suis trop contente d'avoir fait ça aujourd'hui. I'm so happy. Je m'en vais vous créer du contenu.